7 septembre 1915 à 18h, le Caroni, cargo de 97 mètres de long, en route pour Bordeaux, croise la route du U-20 allemand, au large du phare de Chassiron. Celui-ci tire une douzaine d'obus sans sommation. 5 touchent le Caroni, qui s'enfuit en louvoyant, mais son gouvernail est touché. Rattrapé par le U-20, le commandant Walter Schweiger ordonne l'abandon du navire et tire à 18h15 une torpille qui coule le cargo en moins de 10 minutes. La plongée vous entraîne dans cette page d'histoire entre les chaudières peuplées de Congres et les moteurs où se cachent les tourteaux, et pour finir une visite de l'hélice. Bonne plongée.